Salut, j'ai eu envie de me poser comme ça, tranquillement, face à vous, un peu comme à l'ancienne, déjà parce que je trouve que c'est important de prendre le temps, de poser les choses, d'autant plus que vous faites quand même un peu partie de ma vie. Alors, je sais que depuis quelques temps, je vous parle de projets, de plusieurs projets, et je n'en dis pas beaucoup plus, donc ça peut peut-être avoir un côté frustrant pour vous. Sachez que le gros projet, j'avance, je recule, je tâtonne, j'avance, je recule. Vous voyez, c'est que ça en ce moment. Donc très clairement, je ne me vois pas vous dire voilà, mon projet ça va être ça, alors que rien, mais rien n'est sûr. Sachez que je fais tout pour que les choses avancent et surtout se concrétisent. J'ai également d'autres projets et notamment un qui me tient vraiment à cœur. Je suis toute excitée, le côté créatif, hein, bref, ça par contre, je pense que je vais très très vite vous en parler. Si je me pose aussi devant vous, c'est parce que j'ai constaté depuis quelques jours, quelques vidéos, que mes vues commençaient à baisser alors que mon nombre d'abonnés, lui, il augmente. Et évidemment, à part vous, je n'ai pas d'autres indicateurs qui pourraient me dire, voilà, ça vient peut-être de ça, même si je pense que vous n'allez pas... On va voir. Il est vrai que j'ai été regarder un petit peu mes collègues, voir si eux aussi étaient impactés. Effectivement, ils le sont aussi pour la plupart. J'ai plusieurs théories, donc soit, enfin pour ma part, hein, là on ne fait pas du tout tous le même contenu et heureusement. Soit dans mon cas c'est une question d'algorithme, même si je sais que dans une des dernières j'ai un peu déconné, je l'ai enlevé, j'ai remise, mais franchement je pense pas que ce soit ça. Soit il y a une forme de lassitude que je peux comprendre également. Ou bien ce que je propose, c'est-à-dire que depuis quelques vidéos, j'ai introduit les DIY, parce que vous me l'avez demandé. J'ai fait deux vidéos créatives, les boîtes de conserve, le calendrier de l'Avent, il me semble qu'il y avait autre chose. Et du coup, ça intéresse pas tout le monde. Peut-être que la plupart des gens préfèrent quand je fais des vlogs. Est-ce que vous, vous avez trouvé que mon contenu a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent? Dites-moi tout ça. Alors, tout en restant correct, je vous le demande, merci. En ce qui concerne les vidéos DIY, vu que je sais qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui les apprécient, je pense quand même sur ma chaîne YouTube ne plus en faire ou en faire très peu, mais parce que moi j'en ai fait sur Instagram, notamment en faisant le format très court Reels, et là ça fonctionne. Alors c'est des formats de 15-30 secondes, donc forcément tu peux pas montrer dans le détail comment tu crées ton objet, mais ça semble marcher un petit peu mieux là-bas. Je rebondis sur le côté lassitude. Surtout quand tu fais, j'en ai déjà parlé, du vlog au quotidien, surtout en ce moment où t'es plus des trois quarts du temps chez toi, par la force des choses, ça devient redondant, tu parles un peu des mêmes choses, tu montres les mêmes choses, même si j'essaie de faire des vlogs un peu attractifs qui vous divertissent en faisant des intros différentes, en montrant des choses différentes, mais bon, c'est pas évident, et ça aussi, ça peut se comprendre. Tout ça pour dire que je suis en réflexion, grosse réflexion, ça boue. Littéralement là-haut. Autre chose, dernièrement j'ai eu une discussion très intéressante qui m'a remis un peu dans le droit chemin, et parfois tu en as vraiment besoin. Donc je parlais avec une personne qui m'est très proche, qui elle travaille, donc, comme tout le monde, elle a un boulot avec des horaires fixes, avec pas beaucoup de temps, elle est dans le rush tout le temps, et elle me disait, alors c'est vrai que moi je regarde tes vidéos, donc je parle en son nom, moi je regarde tes vidéos. J'aime beaucoup ce que ça m'apporte, ce côté le soir tu te détends, le côté tu déconnectes, voilà. Après, et là elle me disait, c'est pas que toi, je parle souvent, enfin du contenu, ça peut être aussi sur Instagram. Les influenceuses ont ce côté complètement déconnecté de la réalité et ne se rendent plus compte que les personnes qui les regardent n'ont pas du tout la même vie et ont d'autres contraintes que vous, vous n'avez pas. Et parfois, il y a quand même comme une, pas une impudeur, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et notamment, je cite, c'est ce qu'elle m'a cité, me dit la dernière fois, j'étais là, je travaillais dans le rush, avec, comme tout le monde, t'es là à 8h, t'as pas une seconde à toi, tu peux même pas regarder ton téléphone tellement t'es dans le rush. Et là, tu fais ta petite pause repas, tu regardes une vidéo et tu vois une nana qui est chez elle H24, donc qui est youtubeuse, donc elle a ses horaires, elle mange quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et elle te dit, oh là là, aujourd'hui, je... Débordée. J'ai rendez-vous donc esthétique, mes ongles. Midi, coiffure, elle a bien voulu me prendre entre deux rendez-vous. Et ensuite, 14h30, je dois être à la maison pour mon rendez-vous massage. Parce que là, je peux vous dire que je n'en peux plus. Alors, vous voyez, c'est ce genre de truc. Ah, c'est-à-dire, j'ai pas eu le temps de manger. Et moi-même, parfois, je dis, je m'en rends même pas compte dans mes vlogs, je suis là, je dis, oh, j'ai même pas eu le temps de manger. Mais ça, même si c'est vrai, faut pas le dire. Enfin,
faut faire attention. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que parfois on est un peu déconnecté et ce genre de truc peut agacer parce que moi-même, effectivement, des fois, je regarde des stories de certaines personnes et je peux voir elle abuse. Mais peut-être qu'elle, dans sa réalité, elle, dans son quotidien, elle est débordée. Mais elle n'a pas cette notion de dire attention, il faut toujours se mettre à la place de la personne qui te regarde. Peut-être que ça va la vexer, peut-être que ça va la mettre en... Donc il y a ça et je crois qu'il y a une telle déconnexion parfois et ça fait du bien d'avoir ce genre de discussion, se recentrer. Tout ça pour vous dire que... Attendez, parce que je ne peux pas ne pas mettre Jackie dans cette vidéo parce qu'il est là, il est trop mignon. Même si mon but n'est pas de le déranger. Bonsoir. Le cadrage est un petit peu différent. J'ai tout fait bouger, tout est tombé. Vous êtes quand même sur 1, 2, 3, 4 box. Je vous ai posé là-dessus. Ce qui m'embête le plus dans tout ça, c'est qu'il y a 2 jours de ça, bah, j'ai vlogué comme à mon habitude. Et quand je suis dans cet état d'esprit à tout remettre en question, je trouve tout nul. C'est-à-dire que je vlog, je regarde, je suis au moment du montage, je fais non, c'est nul, tu mets pas, tu enlèves. 2e jour, la même. Et ça ne m'arrange pas parce qu'il faut que j'avance un petit peu quand même. Est-ce que c'est le bon moment, Jackie, pour jouer à la balle? Attendez, parce que sinon il va. Je te la donne. Oui, je vous disais que. D'autant plus que j'ai plein de choses sympas de prévues. Je ne vous parle pas forcément de mes projets, mais des concours, les vlogmas, même si pour moi, les vlogmas, ça ne va pas changer énormément vu que je vlog déjà quasiment au quotidien. Enfin, j'ai envie de te dire, je vloguais, mais non, ça va se remettre. Vous sentez la fille qui a mal aux fesses? Je suis mal assise. Et sans faire de démagogie aucune, mais quand même, je tiens à dire que y a ce petit socle qui est toujours là, sous mes vidéos, à regarder mes vidéos dès qu'elles sortent, à me laisser des commentaires. J'ai vraiment l'impression, en plus, de vous connaître. Deux en même temps. Et on interagit entre nous, on s'envoie des messages et c'est hyper hyper important, ça fait un bien fou. Et j'espère vraiment que cette communauté va grandir de plus en plus. Voilà, bah écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous fais un gros bisou et bien évidemment j'attends tous vos commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre, je vous embrasse fort. Salut, tu dis au revoir Jackie ?